Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce matin pour 1h30 précisément, je le dis. Nous ne pouvons pas déborder parce qu'il y a des contraintes derrière. Donc, j'essaierai essayera, de jouer le mec trop du temps, même si je sais que c'est compliqué. L'idée étant aussi de garder un petit moment pour qu'il puisse y avoir un échange avec vous toutes et tous. Donc, ce débat sur l'efficacité énergétique des bâtiments et les leviers de financement. C'est une question qui peut se poser, qui se pose même. Donc, euh, pour intervenir et répondre à votre question, nous avons sé Séverine Truchès, qui est ici, qui est chef de projet sobriété énergétique au ministère de la Transition énergétique. Euh, nous avons Guillaume Perrin qui, lui, est, euh, représente la FNCCR, que vous connaissez toutes et tous, et coordinateur national du programme ACTE. Il est accompagné de Donatien Lefer, qui pourra aussi répondre s'il y a des questions sur le sujet. Euh, Sébastien Ilouz, qui est responsable du pôle efficacité énergétique des bâtiments, euh, Banque des Territoires. On voit bien, quand on parle d'argent, pourquoi la Banque des Territoires est présente ce matin. Et moi-même, Christian Météri, je suis maire d'Arcueil et je co-préside la commission Transition écologique. Donc, quelques mots, pas pour rappeler le contexte, parce que chacun se souvient bien de la rentrée du printemps, enfin de l'été, des annonces de l'été et de la rentrée... Euh Dernière, où s'est posée la question de euh, plan, euh, de, chacun l'a appelé comme il voulait, en tout cas de plan de sobriété, avec l'objectif à la fois un peu pour des questions financières, même si ce n'était pas complètement négligeable, mais aussi parce qu'il euh, y avait besoin d'économiser le gaz et l'électricité, parce qu'il n'y en avait plus assez, et puis avec, je crois, surtout un objectif et des questions qui se posaient en termes de euh, transition écologique, de préservation du climat futur, etc. Donc, toutes les collectivités se sont trouvées devant ces questions en urgence, alors urgence qui était peut-être liée, qu'on n'avait pas globalement assez anticipé et avancé sur ces questions, mais donc, plans de sobriété qui se sont installés partout. Pas forcément de la même façon. Et donc, l'AMF a fait un sondage auprès des communes. Alors, on a eu un peu plus de 1000 réponses. Euh, globalement, tout le monde a fait quelque chose. Et je ne vais pas vous donner l'ensemble du travail, ça prend du temps, mais peut-être quand même quelques grandes données statistiques. La première. C'est 93% des communes qui ont répondu, euh, ont appliqué et travaillé sur la consigne de baisse des températures dans les locaux. Ça peut vouloir dire les locaux des bâtiments publics, peut vouloir dire les écoles ou d'autres bâtiments. Ensuite, euh, 73% sur l'éclairage des bâtiments, 89% sur les horaires d'éclairage extérieur. Donc en éclairage extérieur, on a à la fois euh, l'éclairage des rues mais l'éclairage extérieur des bâtiments. Élément qui n'est pas l'action, mais qui était intéressant 55% des réponses ont signalé qu'ils n'avaient pas de DPO de diagnostic de performance énergétique sur leur bâtiment Donc ça rend des fois un peu plus compliqué l'action. Euh, et 66% des réponses sont, disent que la collectivité a un suivi précis de sa consommation électrique. Donc c'est bien, mais vous pouvez à contrario que 34% n'ont pas ce suivi qui permet donc de mieux maîtriser les choses. Alors ça c'était sur les questions anti-gaspillage, il y avait des questions sur l'efficacité avec, je dirais, la principale euh, la réponse, en tout cas l'action principale, c'est celle sur la, le fait de favoriser des solutions moins énergivores. Sur les questions des déplacements, en gros, une commune sur deux a mis en place des actions sur des mobilités plus douces. Euh, 68% se sont engagés dans de la communication des ambassadeurs d'économie de, d'énergie ou des actions de ce type. Et puis, après, il y avait, mais je ne rentre pas dans le détail, ça serait trop long, tout un tas de questions qui permettent de mesurer. Ces résultats sont bien entendu publics et à votre disposition euh, sur euh, quelle était la nature de la hausse. Hein. On croit que cette rentrée dernière a. A vu des situations complètement différentes d'une commune à l'autre, avec des augmentations un peu maîtrisées ou même beaucoup maîtrisées parce qu'il y avait des contrats qui avaient été signés sur plusieurs années, d'autres qui n'en avaient pas. On est dans un moment qui peut apparaître plus calme hein, par rapport à cette, ce nouvel hiver. Plus calme, ça veut dire que les augmentations vont être moins. Il y aura plutôt stabilisation. Mais plus qu'un ne veut pas dire qu'il y aura beaucoup de baisses. Il hein, faut aussi bien avoir ça en tête. Donc je crois que l'objectif, c'est de regarder comment on fait pour ne pas euh, baisser les efforts qui ont été faits et ensuite euh, voir comment on peut continuer puisqu'on est, je crois, on a toutes et tous conscience que la situation, elle ne s'arrête pas, mais elle va continuer. Les efforts vont être nécessaires. Et puis, euh, on rentre dans une nouvelle année avec euh, des contrats qui peuvent changer. Donc, des contrats qui avaient été bloqués peuvent se débloquer au 1er janvier. Enfin, toutes les situations sont des situations euh, propres à chaque commune. L'objectif ici, ce n'est pas de regarder comment ça se passe commune par commune, mais voir collectivement comment on peut réfléchir et analyser les choses. Voilà, donc j'ai fini ma petite introduction, un peu plus longue que prévue. Et euh, Séverine, je vous laisse le micro, la parole. Merci beaucoup. Donc merci à tous et merci à l'AMF de m'accueillir aujourd'hui pour faire un petit peu de focus sur ce qu'on a vécu l'année dernière et puis savoir un peu si c'était exceptionnel ou comment se projeter à l'avenir. Oui, en effet, comme vous l'aviez dit, l'année dernière, c'était une année compliquée du fait du conflit en Ukraine qui a mis en péril un peu nos approvisionnements de gaz. Et puis, il y avait aussi les travaux sur le parc nucléaire français qui nous a mis dans une situation de risque d'approvisionnement électrique et gazier au cours de l'hiver dernier. Et puis, malgré les efforts et l'anticipation qui avaient été faits, en fait, nos stockages de gaz ne nous permettent pas de couvrir la consommation d'un hiver complet. Et donc, on a été obligés et, euh, de, de sonner un peu la mobilisation générale avec, devant tous les, les, les acteurs de la société, euh, y compris les élus. On a réuni, euh, sous l'égide de, de la Première ministre et d'Agnès Pagné-Runachet, dix groupes de travail. Euh, L'idée étant euh, qu'on puisse collectivement euh, mettre en exergue certaines euh, sources d'économie d'énergie qui soient adaptées à ce que chacun des acteurs euh, vivait. Euh, on avait du coup un objectif, euh, parce que bien sûr on avait fait tout un tas de simulations pour savoir dans quelles conditions euh, on passait ou pas l'hiver, et cet objectif c'était de réduire collectivement de 10% la consommation d'énergie, donc gaz et électricité d'ici 2024. Et, euh, et puis finalement quand on maintenant on regarde euh, l'année qui, euh, qui a été écoulée, on se rend compte que ben, en fait on n'a pas diminué de 10% cette, notre consommation, on a diminué de 12 Donc, on a dépassé l'objectif. Cet objectif, il est dépassé en un an à peine euh, par rapport à, aux deux années qu'on visait. Et du coup, je, je remercie la MF de me donner euh, la parole aujourd'hui pour vous dire merci, euh, parce que c'est vraiment un effort collectif et c'est par votre action euh, également vis-à-vis, euh, -vis, euh, ben, voilà, de, de vos communes et de vos administrés qu'on est arrivé collectivement à ce résultat. Alors, 12 ça veut dire quoi qu parce que, des okay, 10, 12, bon... Euh, ben 12 ça veut dire qu'on a... Euh, quand on rejoue l'année passée, quand RTE rejoue l'année passée, on a évité euh, 8 journées éco-watt orange. Donc, vous savez, éco-watt, c'est quand on... Orange, c'est quand on est juste, juste sur l'adéquation entre la production d'électricité et puis l'autre consommation. Donc, c'est 8 jours. Et puis, c'était, c'est 12 jours d'éco-watt rouge. Donc, éco-watt rouge, c'est, attention, on déleste. Et donc tout ça, ça a été évité grâce à vos, aussi à vos actions. Et donc vraiment, vraiment, merci à tous pour votre, votre, vos travaux et, et votre aide sur le, sur le sujet. Euh, maintenant, si on se projette sur l'avenir, ben, l'avenir, euh, je crois qu'on on voit tous euh, les changements climatiques qui se manifestent de manière de plus en plus euh, fréquente et prégnante à tous. Euh, et donc, euh, ce qu'on a fait sur cette mobilisation là pendant l'année passée, eh ben, il faut qu'on soit capable à la fois de maintenir euh, ces efforts, mais également de les amplifier. Concrètement, si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, ça représente une baisse de 40% de notre consommation énergétique. Et donc, vous mesurez un peu le, 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 le chemin qui reste à, à parcourir. Euh, et globalement, on y arrivera à condition euh, qu'on soit aussi euh, tout sensibilisé. Alors, vous-même, ben, vous êtes présent et, et du coup, je pense que c'est un pari réussi, mais également vis-à-vis -vis des administrés, de vos administrés euh, et, et de la capacité que vous avez aussi à leur parler et à leur euh, euh, transmettre ce, ce, cet enjeu très important de, 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 sur le changement climatique. Euh, juste pour illustrer, alors peut-être que euh, vous en avez connaissance, en tout cas on, on publie on sur le site du ministère toutes les semaines, en fait on suit. Euh, nos no baisses de consommation. Euh, vous voyez, et ça rend l'exercice le, extrêmement parlant euh, par rapport à notre année de référence qui est 2018-2019 pour des questions de Covid, hein, euh, c'est l'année de référence qui est en orange. Vous voyez les efforts réalisés euh, l'année passée qui sont euh, notre consommation en vert, et puis euh, ben on, le, ce, on a remis les compteurs à zéro au 1er août et on est reparti pour une année. Et, euh, et vraiment, c'est pour ça que cette mobilisation et, et vos, vos efforts, euh, et le maintien de ces efforts dans le temps, c'est un réel enjeu. Euh, bien sûr, c est, c est que ces chiffres-là sont corrigés des variations climatiques, sinon ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, et en tout cas, c'est euh, en, en complète euh, transparence qu'on les publie euh, de manière hebdomadaire sur le site. Et donc, comme je vous disais, on a un réel enjeu sur le maintien de la mobilisation au-delà de la gestion de la crise et de faire comprendre à tous qu'il faut qu'on continue et qu'on amplifie le mouvement. Donc on avait fait donc le premier plan de sobriété, on a fait un acte 2 en juin avec justement des mesures estivales et puis euh, euh, et un réel enjeu sur la gouvernance. C'est-à-dire qu'on a besoin également de vous, par le biais de vos représentants, pour discuter, euh, pour voir aussi les points qu'on peut améliorer euh, collectivement pour vous aider à prendre en charge ces thématiques qui sont extrêmement compliquées, parce qu'autant euh, diminuer une température d'un bâtiment, bon, euh, on y arrive à peu près, autant ça pose vraiment des questions, notamment sur tout ce qui est rénovation. Et des sujets qui sont beaucoup plus lourds. Hop, je ne sais plus. Voilà. Euh, bon, très, très succinctement, hein, mais vous montrez qu'on avait euh, chiffré là où on pouvait avoir le maximum de gisements d'économie d'énergie. Et euh, alors je ne sais pas si l'AMF vous met à disposition les slides, mais au besoin, oui. Voilà. Euh, vous pouvez revoir que la. la, la les, les principaux gisements sont réellement sur les bâtiments, ce qui fera le lien avec les, les présentations des intervenants euh, suivants, mais il y a un réel enjeu euh, sur les bâtiments. Euh, globalement et, et concrètement, bon. Euh, c'est un peu petit, mais juste euh, pour vous dire que, euh, voilà, comme je vous disais, il y a un réel enjeu sur la rénovation des bâtiments. Euh, au niveau de l'État, on soutient par le biais des économies d'énergie le programme acté dans toutes ses versions euh, que vous présentera euh, Guillaume Perrin. Et pour vous dire concrètement, on, on a doublé le budget sur cette partie-là. L'idée, c'est de vous aider à préparer vos projets de rénovation. Euh, et on met sur la table, par le biais des, des C2E, on met 200. 20 millions d'euros sur la table. Donc, vraiment, c'est un programme auquel on croit et sur lequel les versions précédentes nous ont montré à quel point c'était efficace. On a également le fonds vert qui permet de financer les travaux. Euh, être... L'intérêt de ces deux programmes, c'est que euh, l'un peut être complémentaire de l'autre, c'est-à-dire que Acte peut vous faire la partie amont préparation des projets et le Fonds vert, la partie réalisation des travaux en tant que tel. Et puis, je vous invite également, euh, même si le, le contexte de crise est peut-être un peu moins prégnant, euh, à, vous, à travailler par rapport et à signer euh, sur la charte ECOWAT euh, d'RTE qui, là aussi, euh, vous aidera à identifier un certain nombre de points. Euh, très très rapidement, mais l'occasion était trop belle hein, pour ne pas vous en parler. Euh, les dispositifs des programmes C2E sont, sont des dispositifs qui sont relativement... Euh, peu connu, je crois, du, du grand public et, et des collectivités. Euh, donc, je, je voilà, j'en je, profite pour vous le signaler. C'est des, donc des dispositifs qui permettent de prendre en charge les grosses parties euh, euh, d'investissement ou de travaux euh, au sein de vos communes. Je vous ai mis là euh, quelques extraits. Euh, si jamais vous avez euh, des projets sur euh, euh, et d'agir sur la précarité énergétique, sur l'installation de bornes de, de recharge, euh, sur aussi tout ce qui est euh, plan vélo et facilitation de, de ce type de mobilité. Euh, n'hésitez pas, euh, je vous ai mis en, lien le, le euh, en bas le lien et puis euh, le QR code que vous pouvez flasher avec la liste de tous les dispositifs des programmes C2E auxquels vous pouvez euh, avoir accès et prétendre. N'hésitez pas à aller voir, c'est des outils qui, euh, qui sont là pour vous. Et donc euh, n'hésitez pas à vous en saisir. Et puis, un dernier point euh, sur un programme qui s'appelle Baisse les Watts, euh, parce que souvent vous êtes aussi un peu démunis vis-à-vis euh, euh, de vos, vos chefs d'entreprise qui sont sur vos territoires et les petits commerçants. Euh, C'est un programme qui est entièrement gratuit entièrement financés également par des C2E et qui les aident à réduire leur consommation énergétique. Donc n'hésitez pas également à relayer euh, vis-à-vis d'eux euh, ce programme. Donc voilà, euh, juste de manière très, 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 très succincte, mais ces dispositifs existent également. Euh, ils sont là pour vous, donc n'hésitez pas à vous en saisir. Bon, de manière très, très succincte, on a, je vous, juste pour vous rappeler qu'il y avait tout un tas de checklists. Alors là, je vous mets la checklist de l'ADEME, mais l'AMF hein, avec Amorce avait fait aussi une checklist dédiée. Euh, N'hésitez pas également à les, à les diffuser au-delà de votre propre pratique. Euh, mais je crois que ces gestes hein, et par votre implication et les résultats réalisés l'année dernière ont montré que vous les avez bien mis en, mis en œuvre. Voilà, je ne serai pas plus longue. Euh, je vous remercie euh, pour votre attention. Euh, et voilà, en tout cas, les efforts réalisés euh, l'hiver dernier ont été euh, conséquents. Et je vous en remercie encore. Et maintenant, il faut que collectivement, on trouve le moyen et de les pérenniser et d'aller plus loin. Et c'est là où euh, je suis convaincue qu'aussi euh, un dialogue par le biais euh, de, de, de vos représentants euh, à l'AMF est très important pour qu'on arrive collectivement à avancer ensemble sur le sujet. Merci. Merci. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder en tête, puisqu'on traitera toutes les questions l'ensemble des, des présentations. J'en profite pour saluer Simon Hufto qui avait un petit peu de retard, mais c'est pas toujours facile de venir ici, moindre. À... Pour ceux qui sont parisiens ou Îles-de-Franciliens, Fran ils connaissent les difficultés des transports en commun. Pour les autres, on a toujours plein de surprises le matin. Euh, donc, Simon Yvetot, qui est coordinateur interministériel du plan de rénovation énergétique des bâtiments. Donc, on voit bien. Donc, je vous propose trois présentations, demandant chacun d'essayer de tenir dans dix minutes, si on peut, ce qui nous laissera après le temps de, de questions et de réponses. Donc, Guillaume Perrin, à vous. Et merci, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, euh, bonjour. Effectivement, je vais vous parler, moi, du programme Acté. Comment est-ce qu'on arrive à connaître son patrimoine, le quantifier, le qualifier pour passer à l'action vous allez voir avec les présentations de mes différents collègues. Séverine en a bien parlé. Il y a le fonds vert qui existe notamment, le dispositif des C2E pour tout ce qui est financement, les aides, les produits de la, Caisse des, la, la Banque des territoires avec Sébastien qui vous seront présentés. Comment est-ce qu'on avance sur ce sujet-là La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à accéder à ces aides-là, à comprendre qu'elles existent, à savoir quels sont les critères pour entrer dedans au vu de sa situation patrimoniale c'est ce à quoi sur le programme acté avec une aide de financement et des dispositifs de type centre centre des ressources. Alors. Le programme acté est porté par la FNCCR. Je salue certains des vice-présidents dont j'ai noté la, la présence aujourd'hui. On travaille aux côtés en particulier de l'AMF sur tout un tas de dispositifs, ce programme-là en particulier, mais dans la représentation d'ailleurs au ministère dont on parlait tout à l'heure, exactement, le logo est bien là, dont on parlait tout à l'heure avec Séverine, c'est un sujet assez actif, les plans sobriété, c'est grâce à, à vos retours, aux consultations qu'on fait en tant que permanent sous la houlette de nos vice-présidents évidemment, d'avoir votre avis, qu'est-ce que vous pensez des actions proposées par le ministère on on avait beaucoup de discussions par exemple sur la question de la mobilité à 110 au lieu de 130, est-ce qu'il faut les appliquer ou pas aux agents des collectivités, avec des questions sur la vie privée, sur la limite pro-perso en tant qu'employeur que vous êtes aussi, qui a nécessité d'ailleurs des riches débats au niveau du, du ministère. Le programme Acté, en tant que tel, c'est un dispositif qui a été conçu par et pour les collectivités. Par parce que c'est effectivement deux fédérations, une en particulier qui le porte avec l'association de l'AMF, qui a conçu au vu des retours du terrain, et pour parce que c'est un dispositif qui est 100% en direction des collectivités. Deux piliers sur ce programme acté. Un pilier qui est le centre des ressources, la mise à disposition en libre accès de documents type cahier des charges, le passage à l'action, le fameux CPE, tir financement, dont on parle assez fréquemment dans les médias, a été mis en place effectivement avec un document type à ce, ce niveau-là. Des documents autour effectivement euh, de guides, de formations en libre accès. Et ça, c'est le premier pilier, tout gratuit, en libre accès, accessible librement, qu'on ne soit au pas lauréat acté. Donc vraiment, vous pouvez aller sur la section dédiée du site qui se remplit, s'enrichit au fur et à mesure. Deuxième pilier, c'est la question du financement. On l'a dit tout à l'heure, effectivement, avec Séverine, le programme Acté, c'est une histoire de succès, mais de succès qui vient des collectivités. Puisqu'effectivement, tout l'argent qui est engagé auprès des collectivités pour cette quantification de passage à l'acte, qu'est-ce que j'ai dans mon patrimoine, qu'est-ce que je fais avec ma mairie, qu'est-ce que je fais avec mes 40 écoles, mes 30 bâtiments administratif qui habite un certain nombre de services techniques, etc. Il y a un certain nombre d'outils qui permettent d'agir, chez ma directeur immobilier, audit énergétique, des personnes qui permettent de conseiller, notamment les économes de flux, donc des personnes que vous pouvez embaucher et qu'on va subventionner. Et c'est à ça que sert le programme, c'est subventionner cette partie-là. 90% de l'argent, donc sur les 220 millions dont on parle, sont directement redistribués aux collectivités sous forme d'un équivalent. Subventions en l'occurrence, 10% sont redistribués indirectement, puisque c'est le centre de ressources dont je vous parlais euh, tout à l'heure. Le centre de ressources, je vous ai mis un extrait de quelques documents. Donc je vous ai parlé des cahiers des charges type audit énergétique qu'on vient de mettre à jour, faire un audit énergétique dans le tertiaire public. Voilà à quoi, quel est le document et qui, sur lequel il n'y a plus qu'à faire un copier-coller assez simple à ce niveau-là, en adaptant évidemment à la situation locale. Schéma directeur immobilier énergie, avoir une approche plus large à ce niveau-là. On parlait plan de sobriété, on parlait consommation énergétique, l'éclairage public on a un sous-programme qui est dédié à ça. Acte de son petit nom qui permet effectivement avec un ensemble de mesures. Est-ce que c'est intéressant de passer par exemple avec des euh, mâts euh, photovoltaïques C'est un gros sujet en termes d'analyse de cycle de vie ou bon, On a une analyse qu'on a menée à ce, ce niveau-là. La mise en place d'un SDAL, ma directeur d'aménagement lumineux, et aussi dedans l'équilibre biodiversité, l'équilibre d'éclairage public la nuit, euh, la question de la sécurité qui on pose assez régulièrement en tant que maire, en tant que responsable effectivement. De la voirie, de la sécurité de ces administrés, jusqu'où on peut aller, ça c'est un certain nombre d'éléments qui sont, qui sont présents. Vous avez des ressources qui permettent aussi de voir sur les cartographies les lauréats pour voir. Vous inspirez des communes aux alentours qui ont effectivement déjà porté des actions avec le programme Acté. Et la carte des facilitateurs, ça c'est un sujet assez intéressant. On a travaillé avec nos collègues, notamment l'ADEME, qui porte le dispositif des CEP, Conseillers en énergie partagée, qui permet effectivement de voir sur l'ensemble du territoire où est-ce en tant que commune, j'ai un conseiller qui est hébergé par une commune, financé soit par l'ADEME, soit par Acté, pour effectivement apporter un conseil éclairé aux communes, collectivités de manière plus générale. Vous voyez, programme acté, un ensemble d'outils techniques, centre de ressources, la partie à gauche en, en violet que vous voyez sur mon, mon slide, animation régionale, tous les trois mois, vous avez un comité régional, un événement acté qui permet de partager les actions des collectivités sur le territoire en question, pour qu'on soit le plus local possible. Une partie, effectivement, cellule d'appui, vous avez un numéro en libre accès, vous avez un mail qui vous permet de demander conseil. Aux experts de la cellule qu'on a au niveau national et qui sont en lien territorial, et la partie centre des ressources. La partie droite de mon slide, donc en bleu, c'est la partie financement, les 90% auxquels vous pouvez directement candidater, demander effectivement un soutien financier avec des instructeurs qui sont dédiés au niveau de, de la cellule d'acte en tant que tel. Le fonds principal, le fonds chaîne, j'y reviendrai après, qui finance cinq axes de financement, avec un bonus spécial notamment pour les communes rurales. Plus spécifiquement, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés de recrutement, des besoins aussi plus forts d'ingénierie interne qu'on n'a pas forcément en propre. Donc, ça peut donner un coup de pouce sur cette approche-là. Et des sous-programmes dédiés à certaines thématiques les piscines, extrêmement consommatrices, patinoires aussi qu'on ouvre cette année, l'UMACT sur l'éclairage public. L'effacement électrique, pour ceux qui souhaitent faire un pilotage actif de leur consommation, qui ont déjà une, une approche assez fine de leur connaissance patrimoniale. Les bâtiments patrimoniaux, puisque effectivement là c'est le défi en 2024, il sort en 2024. Ce n'est pas forcément facile de faire une action sur la narration énergétique du tertiaire classique, ça l'a encore plus dans le patrimoine. On a quand même envie d'y aller, en se disant si on arrive à prouver que ça fonctionne dans le patrimoine, on arrivera à le faire dans d'autres cas. Alors on prend du temps pour le sortir ce programme-là parce qu'il y a des discussions très fortes avec un sigle qui fait redouter beaucoup de personnes dans que je le prononce les ABF, pour ne pas les citer. Je pense que chacun ou à chacune, vous avez eu des discussions variées au niveau territorial. Pas toujours positives, mais en tout cas, on essaie beaucoup de travailler avec eux, avec l'Ordre des architectes. J'ai une vice-présidente qui est en train de signer en ce moment même un partenariat avec l'Ordre des architectes pour voir comment on arrive à mettre, disons, de lui dans les rouages, pour faciliter la compréhension de nos problématiques en tant que collectivité, de vos problématiques en tant qu'élus sur votre bâti, et faire en sorte qu'on arrive à avoir une bonne gestion de son patrimoine en respectant un certain nombre de contraintes, évidemment, patrimoniales à ce niveau-là. Un autre dernier élément au niveau des programmes d'acté, c'est l'ensemble de la démarche sobriété, portée plus particulièrement par les sous-programmes CUBE. Vous avez un, un petit stand devant le pavillon 3, si je ne me trompe pas, euh, avec les concours CUBE 4. 4. Donc, c'est trois, voilà, c'est ça, trois, avec effectivement les différents concours qui sont mis à disposition. Des, à savoir, c'est l'idée de euh, s'engager dans une démarche sobriété, donc de formation des usagers de ces bâtiments-là, les enseignants, le public scolaire, les ADSEM en particulier, pour voir comment vit le bâtiment et comment est-ce qu'on arrive par une approche type éco-geste, sobriété, mais durable. Et c'est ce qui est important aussi dans la présentation de Séverine c'est que certes, on a collectivement réussi à baisser de 12% de notre facture énergétique, mais l'enjeu, c'est non seulement d'aller plus loin, mais surtout de base, de durée déjà sur ces 12%-là, et de faire aussi bien sur, sur cet hiver-là. Et c'est dans cet axe-là qu'on travaille sur les plans de sobriété, côté assaut de collectivité, association de collectivité, évidemment en lien avec l'État à ces niveaux-là. Donc là, c'est la même chose pour les programmes cubes, c'est se dire comment est-ce qu'on arrive par la formation, la sensibilisation, l'information des occupants, à avoir une baisse durable de ces consommations énergétiques dans ces bâtiments-là. Un dernier mot sur le côté financement, et j'en arrêterai là pour rester dans, je me tourne vers Monsieur le maire, c'est bon, <laughs> en termes de, de durée. Voilà à quoi ressemblent les axes de financement dans le programme euh, chaîne, le fonds chaîne en l'occurrence, des ressources humaines, parce que c'est bien beau de donner de l'argent pour les audits, si on n'a pas quelqu'un en interne qui peut les analyser, les contre-expertiser le cas échéant, piloter après la partie éventuellement. Qui se rapproche de la maîtrise d'œuvre ou d'une AMO qu'on pourrait avoir en interne pour se dire oui, ça vaut le coup d'aller jusqu'au niveau le plus ambitieux sur ce bâtiment-là. Peut-être pas sur tel autre, parce qu'on a d'autres enjeux territoriaux qui font qu'on préfère attendre peut-être le mandat suivant ou une autre période pour aller sur ces financements-là, sur ces travaux-là. Peut-être des bons financements qu'on peut trouver chez certains partenaires pour aller plus loin aussi. Donc c'est bien d'avoir un conseil interne en qui on fait confiance. Et c'est pour ça qu'on est de 50 à 80 en taux d'aide les économes de flux que vous pouvez recruter. Les outils de suivi, parce qu'effectivement il faut, d'une part connaître son patrimoine, d'autre part suivre dans le temps les 12% dont on parlait. C'est grâce effectivement à la télégestion, du meilleur pilotage, de l'optimisation dans un certain nombre d'équipements comme de l'éclairage intérieur, de la question des de détection de présence, etc. Où ça va jouer. Des études techniques, donc notamment les audits ou les schémas directeurs immobilier énergie. Et enfin la maîtrise d'œuvre pour vraiment passer à l'action à ces niveaux-là. Vous l'avez compris, au travers des adaptés, on est là pour vous aider à connaître vos patrimoines. On est là pour vous donner des outils. On est là pour vous apporter du subventionnement qui vous permet de savoir par quoi je commence, jusqu'où je vais sur tel ou tel bâtiment et comment je programme mes travaux. Et surtout, on est là pour vous aider à connaître les outils derrière d'aide au financement. Donc, on ne finance pas les travaux. Par contre, on va vous aider à vous donner une cartographie, une lecture fine au niveau plus local, parce que certes, il y a des fonds nationaux, la DSI, la DSIL, la, la DETR le fonds vert, les aides de la caisse, etc. Il y a des aides locales, la région, syndicat d'énergie, conseil départemental, le FEDER aussi, qui est différent selon les régions, d'où l'importance d'une ingénierie aussi dédiée au locale pour pouvoir lire ces éléments-là. Et on s'inscrit sur la phase amont de réflexion, la réalisation des travaux, notamment effectivement avec l'aide au passage à l'acte. Nos collègues de l'ADEME sur la partie fonds-chaleur et nos collègues de la Banque des territoires dans l'accompagnement global qui est fait, Sébastien en parlera tout à l'heure, et la phase post-travaux évidemment aussi pour avancer avec l'ensemble de la connaissance des dispositifs de, de financement et les, les sous-programmes que j'ai pu vous, vous détailler. Donc un programme. Par vous et pour vous, si je le résume comme ça et je parle sous la houlette de mes vice-présidents qui me contrediront si jamais je suis sorti de cet esprit-là, mais c'est vraiment la plupart des salariés actés sont des territoriaux en l'occurrence, sont passés par les collectivités, ont la connaissance fine des problématiques que vous rencontrez en tant qu'élu. Et c'est pour ça qu'on a créé ce dispositif en tant que FNCCR avec l'AMF, de se dire il manque un chaînon manquant, de dire certes il y a des aides, on n'y comprend pas forcément grand-chose parce qu'il y a un maquis, il y en a un certain nombre qui existent, hein, soyons clairs. Pas forcément facile de comprendre les critères, dans quel cas, quand est-ce que je vais voir la préfecture, est-ce que si je viens en octobre, il y aura encore de l'argent par rapport à l'aide du fonds vert qui a été annoncé en février ou août eh Ça va dépendre des endroits, même s'il y a des équilibres nationaux qui se font aussi. C'est à ça aussi qu'on s'aide. Donc voilà, à votre disposition, vous l'avez compris. Merci. Donc on va poursuivre dans, je dirais, la présentation générale. Donc Simon Uvetot, qui, comme son titre l'indique, coordonne les différents ministères. Euh, sur la question du, des plans de sobriété. Bonjour, merci, merci à tous. Bonjour à tous. Alors, pas exactement sur les plans de sobriété, mais sur la rénovation énergétique des bâtiments. Euh, alors, je vais vous parler aujourd'hui. Si la télécommande fonctionne. Non. C'est à quel endroit Ah, ok. Euh, alors. Excusez-moi. Voilà, on a coincé le système. C'est la sobriété, pas d'affichage. C'est ça. Donc, euh, je vais quand même essayer de vous passer, de vous parler de rénovation des écoles. Euh, vous avez certainement entendu parler euh, durant les, les dernières semaines euh, d'un engagement présidentiel de, de rénover des écoles. Et donc, je ne suis évidemment pas ici pour vous apprendre ce qu'est une école et encore moins pour vous apprendre ce qu'est la rénovation des écoles. Je pense que vous connaissez cela évidemment beaucoup mieux que, que, que moi et beaucoup mieux que nous-mêmes au sein du ministère. Néanmoins, je souhaite ici vous présenter le positionnement de l'État, le rôle que l'État peut jouer pour vous aider dans cette dynamique. Alors, là encore, si j'arrive à passer mes transparents. Déjà, je voulais souhaitais rappeler quelques chiffres clés. Euh, qui, je pense, sont importants pour comprendre effectivement la, la dynamique et l'enjeu collectif euh, dans lequel nous nous, nous situons euh, tous. Il y a environ 40 000 écoles publiques euh, primaires euh, en France, et ces écoles représentent, euh, si on y ajoute euh, le bâti scolaire en général, environ la moitié euh, des surfaces des bâtiments des collectivités territoriales. Donc c'est quand même une, une superficie qui est très importante. Évidemment, je n'insiste pas sur le, le, le rôle et la place de l'école au sein du bâti de la collectivité euh, et au-delà de, 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 au du bâti au sein même de la collectivité elle-même. Là aussi, c'est quelque chose que vous connaissez mieux que moi. Euh, nous avons un objectif de 40% de baisse de consommation énergétique euh, d'ici à 2030. Ça a sans doute déjà été évoqué, euh, évoqué ce matin. Euh, cet objectif est complémentaire d'un autre objectif qui est celui de la baisse de réduction de gaz à effet de serre qui est d'environ 60%, un petit peu moins, sur la même période. Donc on est sur des, des, des objectifs qui sont très ambitieux et même, on peut le dire, assez agressifs. Euh, le, le, comme je l'évoquais, vous n'avez pas attendu euh, l'État pour, euh, pour lancer des projets euh, de rénovation des écoles. Et nous, on peut le mesurer de manière indirecte euh, par les dotations. Donc je prends l'exemple ici. En 2022, il y a eu environ 560 millions d'euros de dotations de l'État qui, cumulés, sont allés vers des projets d'investissement pour le bâti scolaire sur une diversité de projets, dont de la rénovation énergétique, mais pas exclusivement. Et à ce stade, depuis le lancement du fonds vert qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a 880 projets d'écoles et de, plus généralement, collèges et lycées, qui ont été aidés en 2023 sur la mesure rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités locales au sein du fonds vert. Donc, ça représente effectivement une dynamique euh, très importante. Et donc, on verra à la fin de l'année, effectivement, quand on fera la relève des compteurs, le, euh, les montants et puis évidemment le nombre de projets totaux qui ont été lancés. Alors, pourquoi, euh, pourquoi lancer d'une certaine manière un, un plan école alors qu'on peut se dire que bah, collectivement, ce sont des choses qui sont déjà faites euh, Puisqu'on vient de le voir, il y a déjà une dynamique relativement forte. Euh, ben, tout simplement en lien avec les objectifs que je rappelais tout à l'heure. L'objectif de réduction de consommation d'énergie et les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et donc, euh, on a essayé de matérialiser euh, une trajectoire de rénovation de l'intégralité des écoles en dix ans, et ça donne un premier objectif, euh, à premier cap, de rénover dix mille écoles d'ici à 2027. Euh, je vais le dire autrement, ça revient à peu près à aller deux fois plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui en termes de nombre de rénovations d'écoles. Donc, c'est quasiment doubler le rythme, un peu plus même que de doubler le rythme de, de rénovation des écoles. Alors ici, ce que j'entends, et c'est le point évidemment central de mon propos, euh, la rénovation s'entend en premier lieu au titre de la performance énergétique des bâtiments, donc, dit autrement, euh, isoler pour consommer moins, et euh, l'adaptation au changement climatique, donc se protéger en particulier du, euh, des, des pics de chaleur et renforcer le confort d'été. Alors, à nouveau, quelle est la place de l'État L'État est évidemment en soutien et en mobilisation euh, des collectivités porteuses de projets. Et donc on a mis en place pour cela une gouvernance qui va s'appuyer principalement sur la territorialisation de la planification écologique. Je savais que je trébucherais sur ces mots. Je ne sais pas qui a inventé ce, ce, ce vocable, mais c'est effectivement difficile à prononcer systématiquement. La territorialisation de la planification écologique, j'y arrive. Euh, pour cela... L'État déploie avec des partenaires des outils d'ingénierie, de partage de bonnes pratiques. On a vu effectivement le programme acté, on verra le programme et du Rénov' dans quelques, dans quelques instants. On déploie évidemment des outils de financement. Euh, et évidemment, le cœur de mon travail aujourd'hui, c'est de travailler, de réfléchir à l'amélioration du parcours usager. L'usager en l'occurrence étant, euh, étant l'élu et étant les équipes euh, des, des services municipaux. Euh, et donc ce que l'on souhaite, c'est euh, de travailler à essayer de simplifier d'essayer d'intégrer davantage les différents dispositifs, d'améliorer leur coordination entre eux, parce qu'on est conscient que quand nous venons chacun successivement vous présenter nos dispositifs, bah on présente face à vous euh, 10, 20, 30, 40 euh, guichets ou euh, différentes offres, et qu'il y a effectivement un besoin bah d'essayer de, d'ordonner ou d'essayer de clarifier par où on commence, ou éventuellement à minima de vous orienter vers un dispositif qui ultérieurement vous accompagnera sur le long cours donc, sur ce parcours usager, euh, le principe est relativement euh, simple. Euh, c'est de passer la consigne effectivement euh, au sous-préfet accompagné de son cadre de la ddt, euh, effectivement, de, de, de vous accompagner et euh, de se positionner comme point d'entrée du parcours. alors, pour un certain nombre d'entre vous, euh, qui êtes déjà euh, experts, qui avez déjà réalisé un certain nombre de projets, probablement vous n'avez pas besoin de cette étape. Euh, qu'on soit tout à fait d'accord. Mais je pense qu'il est important que pour effectivement des, des élus qui n'ont peut-être pas déclenché euh, ou qui n'ont pas encore initié euh, de, de, de projets de cette nature, qui ont peut-être d'autres spécialités, d'autres actualités, euh, ou qui ont pu avoir effectivement un, un changement au sein du Conseil municipal, il est important que euh, le sous-préfet et le cas de la DDT puissent, être, euh, puissent finalement orienter euh, et vous orienter vers la première étape, celle vers laquelle... Euh, qui correspond à votre besoin du moment, s'il s'agit d'un besoin d'ingénierie, d'un besoin de financement, qui puisse vous dire, ben, face à cette question, allez rencontrer tel interlocuteur local qui vous donnera effectivement et qui pourra vous accompagner sur la suite de votre projet. Donc ça, c'est notre première action, c'est déjà de s'assurer qu'au niveau des sous-préfectures et des DDT, on ait euh, effectivement des interlocuteurs qui sachent euh, vous orienter dans éventuellement ce que vous pourriez percevoir comme étant un maquis de dispositif. J'ai mis un conditionnel. Euh, par ailleurs, l'État a un autre rôle, évidemment c'est un, un rôle de soutien, je l'ai déjà évoqué, euh, de subventionnement, de, de facilitation. Et je dirais, au-delà de ce rôle de soutien, on a un rôle de mobilisation. Euh, je l'évoquais tout à l'heure, les écoles, euh, elles sont déjà rénovées euh, et vous le faites déjà. En revanche, on est convaincu qu'il y a un enjeu à aller plus loin, à aller plus vite. Et donc si je suis présent aussi parmi vous aujourd'hui, c'est aussi pour vous inviter à poser cette thématique euh, sur le dessus de la pile et de vous inviter à réfléchir à, euh, effectivement au lancement de nouveaux projets. Et je vais venir dans quelques, dans quelques minutes. Euh, D'un point de vue euh, gouvernance, on prévoira également que des revues de projets puissent être euh, mises en place dans le cadre des CRTE, alors des CRTE de nouvelles moutures qui sont en cours de déclinaison. Euh, et qui permettront effectivement d'aider à la programmation, euh, d'aider à la priorisation éventuelle, notamment s'il y, euh, y a des contraintes particulières au niveau des financements, ce qui n'est objectivement pas totalement le cas aujourd'hui, et puis effectivement aider à la mutualisation des projets quand c'est nécessaire et quand c'est pertinent. Alors, les dispositifs d'accompagnement, là je vais très vite parce que vous les avez euh, face à vous. J'ajoute juste euh, effectivement le CEREMA, l'ADEME, FININFRA, parce que je pense qu'ils ne sont pas forcément présents aujourd'hui. Euh, ce sont également des offres qui peuvent euh, vous accompagner. Et pour ce qui est de FININFRA, si vous ne les connaissez pas, euh, ils vont plutôt effectivement être de très bons interlocuteurs pour des projets de large ampleur euh, et sur lesquels vous avez besoin d'une assistance à la montage de projets complexes et montage de... Notamment, on parlait tout à l'heure du tiers financement. Euh, ils sont tout à fait volontaires pour euh, aider les, les, euh, les parties prenantes qui souhaiteraient s'engager dans cette, dans cette thématique. Le fonds vert. Euh, en 2024, le fonds vert évolue. Premièrement, une enveloppe supplémentaire de 500 millions d'euros euh, est débloquée, qui est dédiée aux écoles et qui vient s'ajouter aux 2 milliards de l'année 2023. Donc ce n'est pas un tour de passe-passe de communication, c'est bien 500, 500 millions sonnants et trébuchants qui viennent s'ajouter aux, aux 2 milliards existants. En parallèle de cela, l'éligibilité à la mesure rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales, qui est donc celle qui bénéficie de cette enveloppe, hein, pour les, les écoles, euh, évolue légèrement. Premièrement, on met en place un seuil d'éligibilité à 40 de gain énergétique. Euh, précédemment, le seuil était de 30 Deuxièmement, euh, les travaux euh, visant à un changement de système de chauffage ne pourront plus prévoir un, un, finalement un nouveau système qui soit carboné. Et troisièmement, euh, des travaux visant exclusivement à l'amélioration du confort d'été deviennent éligibles. Alors je fais un zoom là-dessus. Ça veut dire que si vous avez un projet qui consiste par exemple à mettre des protections solaires uniquement sur votre bâti, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres travaux en tant que tels, évidemment les protections solaires extérieures ne permettront pas d'atteindre le seuil d'éligibilité à 40%. Pour autant, ces travaux peuvent, être, peuvent faire l'objet d'une subvention. Par le fond vert. Donc, c'est une dérogation finalement aux 40% de gains énergétiques et qui va permettre en fait de déclencher des travaux plus simples, plus rapidement, euh, pour répondre à des enjeux de pourquoi pas tout simplement euh, de très court terme, sur, y compris des bâtiments peut-être plus récents, euh, pour lesquels le, le retour sur investissement d'un projet d'ampleur de rénovation énergétique est plus complexe à, à, à atteindre. Par ailleurs, passer l'éligibilité du projet, euh, je rappelle ce qui a fait l'objet de beaucoup de questions l'an dernier lors des, euh, lors des, 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 des demandes d'instruction. Euh, finalement, l'enveloppe du Fonds vert, il y a effectivement ce critère d'éligibilité, mais ensuite, dans l'enveloppe de ce qui est finançable, on peut inclure évidemment euh, des travaux qui sont, on va dire, inévitables lorsqu'on est dans une réhabilitation lourde, du désamiantage, du déplombage, éventuellement la production de NR, des équipements de consommation de réduction d'eau, donc euh, des équipements de réduction de consommation d'eau. Donc, ces, ces choses-là, je, je les rappelle, mais c'est effectivement important puisqu'on ne veut pas non plus complètement isoler euh, le dispositif de, de vos besoins. Et donc, euh, peut-être le, le dernier point que je souhaitais mentionner, je, je me demande si je. Oui, je pense qu'il y avait une autre phrase que je souhaitais mentionner qui ne euh, figure pas ici. L'autre point que je souhaitais mentionner, c'est que euh, nous avons également des travaux en cours euh, qui visent à essayer de renforcer l'articulation du fonds vert avec les dotations de l'État existantes. L'objectif, pour essayer de le dire euh, très simplement, c'est de faire en sorte que vous ayez moins de pièces à déposer, que vous ayez moins de, de, de documents à, à apporter auprès de la préfecture pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs et de faire en sorte, effectivement, autant que faire se peut, euh, qu'on qu mette en place une articulation des, euh, des différentes dotations existantes. Euh, je l'évoquais, les écoles ont toujours fait l'objet d'un soutien fort de l'État et les écoles ont toujours fait l'objet d'une priorisation par les collectivités territoriales. On en est conscient. Malgré tout, et malgré ces efforts, on estime aujourd'hui qu'au maximum 5% des écoles répondent en fait aux objectifs climatiques de la France. 5%. Ça veut dire qu'on a 95% des écoles à rénover. Et donc, derrière cet, objectif, cet enjeu collectif d'aller plus loin. Et C'était peut-être mon propos final. Euh, voilà, je, je vous invite tous et je nous invite tous effectivement à faire de ce sujet une priorité et d'enclencher de, de nouveaux projets, euh, y compris euh, y, y compris également en, en lançant des projets dont l'ambition euh, irait plus loin. Et je pense que les 500 millions supplémentaires qui ont été mis sur la table, donc, qui sont disponibles pour 2024, donnent de la latitude euh, à l'État pour pouvoir supporter ces projets. Donc, allez-y. Merci. Merci. Et avant d'échanger avec les... Je passe la parole à Monsieur M. Ilouz, la Banque des Territoires. Donc on voit qu'on va sans doute parler de, de financement. Mesdames, Messieurs les élus, bonjour, merci de m'accueillir. Alors, on va voir si la télécommande est en forme. Ça a l'air. Alors, je vais vous parler globalement de la rénovation des bâtiments publics, dont bien évidemment des écoles. Et je voulais commencer par, par vous montrer un petit peu ce qu'on a mis en place, nous, depuis, depuis quelques années, euh, en termes de parcours de la rénovation énergétique, en sachant que ce parcours, on le partage avec nos, nos partenaires de la FNCCR, de l'ADEME, d'Amorce. la logique étant d'avoir à peu près les, les mêmes vocables et d'aligner justement nos. Nos différents guichets pour permettre au maximum de, de simplifier à la fois la lisibilité, la pédagogie et puis que les aides soient bien coordonnées. Parce qu'on a bien conscience effectivement qu'il y a une démultiplication des guichets qui est toujours un petit peu complexe. Donc l'objectif c'est de travailler en réseau pour justement avoir une, une vraie complémentarité et que l'information aussi circule sur les différents projets. Alors, une stratégie patrimoniale, parce que là, quand on parle de rénover les bâtiments Horizon 2030, vous comprenez qu'on ne parle pas d'opérations bâtimentaires au sens unitaire, mais quelque part forcément d'une stratégie patrimoniale, et bien ça met du temps à être mis en place, ça nécessite quand même beaucoup d'informations, ça nécessite de faire des arbitrages, et donc on a un petit peu décomposé ces différentes étapes, euh, alors la première, bien évidemment, c'est sensibiliser. Alors là, on a la chance de pouvoir directement s'adresser aux élus, mais c'est vrai que quand on travaille avec les services techniques, c'est un point important dans la priorisation des projets. Est-ce que c'est un projet, euh, cette rénovation du patrimoine, qui est considéré comme prioritaire Voilà. Et ça, alors 2022, euh, le travail avec euh, l'augmentation des prix de l'énergie, pour pas dire l'explosion, a un peu fait le, le job, mais faut rester dans cette dynamique. Et surtout pas, je dirais, remettre ces projets-là à plus tard, qui seraient vite dépoussiérés un petit peu en urgence à la prochaine crise énergétique, parce que là, c'est le coût de l'inaction, du coup, qui est payé à chaque fois avec. Euh, des travaux un petit peu lancés en urgence et forcément euh, des choses qui ne sont pas optimisées. Donc, cette mobilisation au niveau de la sensibilisation elle est importante. Ensuite, bah, pour pouvoir agir, il faut connaître son patrimoine, ses surfaces, ses consommations énergétiques. Alors, tout ça, ça va dans le sens effectivement du décret tertiaire qui vous demande déjà pour les bâtiments de plus de 1000 m de les déclarer. Et ce travail doit être fait de manière collective sur l'ensemble des, des bâtiments. Pour euh, avoir une, une, une vision la plus fine possible et pour pouvoir ensuite mettre en place euh, cette euh, logique de décision. Voilà, j'ai euh, l'ensemble de mes bâtiments. Il y en a certains qui sont euh, vraiment, euh, pas que d'ailleurs sur le plan énergétique, euh, euh, très consommateurs, très obsolètes et les questions de mise en conformité, de mise en accessibilité. D'autres qui se portent pas si mal, mais par contre, on pourrait faire quelques euh, programmes d'amélioration énergétique et donc d'avoir une vision un petit peu globale bien évidemment aussi avec des sujets de démographie, de besoins des populations, d'adaptation de l'offre. Donc c'est très clairement un sujet complexe, mais qui est nécessaire pour pouvoir avoir cette planification sur le long terme. Et donc là, ces études en amont, ces schémas directeurs immobiliers, ces audits, tout ça, c'est des choses qui peuvent être financées dans le cadre du programme ACTE, effectivement, qui peuvent être financées aussi dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Euh, spécifiquement par la banque des territoires donc c'est euh, déjà une première étape pour aller pour accélérer un petit peu nous on aime bien s'appuyer sur la digitalisation et des outils euh, qui permettent comme ça d'avoir une vision accélérée donc on en a deux euh, qu'on vous propose on a mon comparateur énergétique très rapidement qui permet de saisir les données de, 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 de sa commune et d'avoir une idée globalement de la consommation de son territoire pour la comparer par rapport à d'autres territoires alors c'est à titre très informatif, mais ça permet d'avoir rapidement cette vision. Et puis, de manière plus fine, plus précise, un outil qui s'appelle Prioréno, que vous connaissez peut-être déjà pour certains, qui consiste à euh, s'inscrire au service au niveau de la Banque des Territoires, de pouvoir communiquer les informations sur les compteurs de ces bâtiments et d'avoir une vision du coup des surfaces et des consommations de ces bâtiments de manière assez rapide pour pouvoir faire un premier pas justement vers cette planification et cette stratégie de rénovation énergétique. Donc ensuite on est dans une logique où on va rentrer un petit peu dans le détail, on a une vision de ces bâtiments, on sait si on va faire des rénovations lourdes, plus légères, axées uniquement sur la rénovation énergétique. Et là la question c'est quel montage, quel choix d'opération je vais faire qui soient adaptées à mes besoins. Et bien là, pareil, il y a des études sur le montage juridique et sur les financements qui sont à mettre en place, qui peuvent être réalisées dans le cadre du programme Acté, qui peuvent être réalisées aussi dans le cadre d'Action Cœur de Ville directement par des études qui sont cofinancées par la Banque des territoires, pour arriver, in fine, à une programmation, c'est-à-dire à pouvoir planifier dans le temps la réalisation des opérations et pouvoir aussi avoir une vision sur l'implication budgétaire que ça représente. Et ensuite, on arrive vraiment aux solutions de financement en tant que telles, sur les outils qu'on va vous proposer, que je vais développer, et qui sont mis en place pour essayer d'optimiser un maximum cette problématique financière. Mais vous voyez que le sujet, il n'est pas que financier, il est aussi dans l'organisation et la capacité de pouvoir établir une stratégie alors qu'il doit pouvoir évoluer bien évidemment, il ne s'agit pas de graver dans le marbre quelque chose qui serait déroulé pendant 5-10 ans jusqu'à l'horizon 2030 mais d'avoir quand même déjà une orientation sur ce qui doit être fait et puis ensuite le suivi, voilà alors ce suivi énergétique, il est important, on se le disait tout à l'heure, pour pouvoir éviter d'avoir ensuite à nouveau des dérives de consommation énergétique, d'éviter cet effet rebond qui, après une action de sobriété d'autres consommations qui viennent augmenter, et donc ce suivi, il est nécessaire pour pouvoir piloter ensuite la performance de ces bâtiments. et puis, tout au long de ce parcours, on a le programme justement et du que là que je vais développer. Alors, du rénov, qu'est-ce que c'est C'est un programme qui vise à soutenir l'action de la rénovation des écoles. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce programme il est extrêmement riche. Nicolas Turca, qui est le directeur du programme, est là, et donc n'hésitez pas à venir le voir et à discuter avec lui de tout ça. Mais en quelques mots, c'est un programme qui permet de soutenir et d'accélérer la rénovation des écoles sur la base déjà dans partenariat avec le programme ACTE. Ça veut dire qu'on a euh, abondé euh, les aides à l'ingénierie lorsqu'on est sur des candidatures ACTE qui portent euh, une part majoritaire d'école, Premier point. Donc là, vous voyez quelque part, cette simplification, on l'a déjà faite, puisque dans le cadre de ce guichet, on arrive à concentrer différentes aides. Et puis, deuxième axe, c'est la mise en place de moyens spécifiques. Alors là, il y en a un certain nombre. Ressourcerie, de l'ingénierie complémentaire, la possibilité de pouvoir nous contacter lorsque vous avez des questions spécifiques, la mise en valeur de vos initiatives et de vos projets de manière à ce que les projets de l'un puissent inspirer les opérations de l'autre. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir créer cet échange entre élus et de pouvoir, du coup, qu'il y ait un échange sur les solutions qui ont été mises en place et qui répondent quelque part aux besoins que vous pouvez avoir en commun. Et donc, ce programme-là, euh, il est déjà lancé. Euh, le mail pour le contacter, c'est edurenov.fr. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. L'autre dispositif sur lequel je souhaitais partager les informations, c'est le dispositif Intracting. Donc, le dispositif Intracting, il vise à lutter contre cette inaction qui, parfois, est provoquée notamment par des problématiques budgétaires. Hein, c'est une, une réalité. Et donc, quelque part, l'idée, c'est de créer un cercle vertueux avec des économies d'énergie de demain qui vont financer vos actions de performance énergétique. En gros, pour le dire clairement et de manière simple, vous avez des bouquets de travaux avec un temps de retour inférieur à 13 ans. Vous nous les présentez on met en place une convention interactive et on met sur la table les montants qui vont permettre de financer ces opérations et les économies d'énergie qui vont se dérouler pendant ces 13 ans vont permettre ensuite de rembourser cette avance remboursable. En 2022, on a déjà mis en place euh, plus de 300 millions d'euros. En 2023, on est à peu près sur les mêmes montants. L'intérêt, c'est que on est sur des travaux qui sont Relativement rapide, pas trop complexe. Donc, ça permet vraiment de créer une dynamique très positive au niveau des, au niveau des services, de se réapproprier cette problématique technique, de commencer à, à réduire les consommations, même si on n'est pas sur des moins 40% là, on est sur des moins 10, moins 15, moins 20%. Mais déjà, c'est un premier pas et vous pouvez le généraliser sur un nombre important de bâtiments pour ensuite préparer la suite. Donc, ça, ça continuera bien évidemment en 2024. Euh, 200 millions d'euros qui va être mis en place pour les bâtiments et 100 millions d'euros pour l'éclairage public. Ce dispositif interacting fonctionnant pour les deux. Et puis le, le troisième dispositif dont je voulais vous parler, ce sont les contrats de performance énergétique. Alors là, je rentre un petit peu dans la technique, mais je pense que c'est important de comprendre quel contrat de performance énergétique et pourquoi il est différent du coup d'un dispositif classique de financement. Donc le contrat de performance énergétique, c'est un contrat qui vise à exiger du co-contractant une réduction des consommations énergétiques avec une garantie. C'est-à-dire que si l'économie d'énergie n'est pas présente, il y a indemnisation. Donc on comprend du coup que quand on est dans cette logique de contrat de performance énergétique, on a les économies d'énergie garanties qui viennent en partie, du coup, tout ou partie, financer le coût de l'opération. Et donc là, quelque part, c'est aussi une solution à la problématique du financement. Alors je dis en partie, hein, toutes les opérations ne s'autofinancent pas toujours, je pense qu'il faut être, être clair là-dessus, mais euh, c'est quand même une partie qui, la plupart du temps, est loin d'être négligeable et qui peut être tout à fait intéressante. Alors ça, ça veut dire qu'on vient aligner et mettre dans un contrat les responsabilités de conception, de construction et d'exploitation de maintenance. Et là, on aligne ces trois leviers et on a l'optimisation sur ces trois leviers, parce que on le disait la, les, les questions de, de sobriété, c'est aussi des questions liées à l'usage et à l'exploitation. Et là, on chaîne euh, ces trois leviers-là au sein d'un même contrat, quelque part qui vient optimiser globalement ce, 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 cette mécanique financière. Alors conscient de, conscient de ça euh, récemment, une nouvelle forme de contrat de performance énergétique dans les marchés publics et sortis, donc ce sont les marchés globaux de performance énergétique à paiement différé qui embarquent du coup aussi dans ce contrat le financement. Donc l'intérêt de cette démarche-là, c'est que on est sur quelque chose de relativement simplifié au niveau des services de la ville. Alors je dis relativement parce qu'on est quand même sur des contrats qui par nature, comme ça traite à la fois de la construction, de la conception, de l'exploitation. Eh ben, on a quand même euh, au moins l'équivalent de ces trois contrats là dans ce contrat mais globalement ça permet d'avoir un engagement de coûts de délais, de réduction de l'économie d'énergie en kilowattheure et ça vous permet notamment par exemple d'embarquer des sujets de changement d'énergie. On le voit bien euh, lorsqu'on est sur des bâtiments qui sont encore chauffés au fioul, on a une problématique qui est de dire comment je trouve une alternative? Et les alternatives, ça peut être la biomasse, ça peut être la géothermie, mais on est sur des opérations qui sont techniquement complexes et sur lesquelles on pense que ça peut être intéressant d'avoir cette garantie et que l'exploitation le, technique de ces systèmes-là soit à la main d'un énergéticien qui va assumer les conséquences techniques de l'exploitation, de manière à ce que vous soyez totalement vous sécurisé dans le mode d'approvisionnement énergétique. Donc cette nouvelle disposition maintenant elle existe, elle est praticable puisque euh, l'ensemble des textes sont sortis, euh, les équipes de Fininfra effectivement sont là pour soutenir euh, et répondre à vos questions et nous la banque des territoires on décide aussi de soutenir ce type de dispositif qui peut qui plus est maintenant se faire sous une forme mutualisée. Ça c'est important aussi, ça veut dire que notamment pour les communes qui auraient un patrimoine relativement faible, l'idée Peut-être de se regrouper et d'essayer au niveau de l'intercommunalité ou du syndicat d'énergie de passer ces contrats de manière mutualisée. Ça se fait déjà dans le cas de Link ça s'est beaucoup fait sur l'éclairage public, ça s'est fait un petit peu sur les bâtiments et, et donc c'est un petit peu la marche d'après pour essayer d'augmenter encore et d'accélérer euh, les consommations énergétiques tout en sécurisant vos opérations. Voilà les trois points que je voulais euh, soulever avec vous aujourd'hui. Merci. Merci à tous nos intervenants. Donc, il nous reste une toute petite demi-heure. J'imagine que. Alors, j'en profite pour dire pour ceux, celles et ceux qui sont debout, il reste pas assez de place assise pour tout le monde, mais il en reste quand même quelques-unes si vous commencez à fatiguer, à être debout. Donc, je euh, euh, propose d'essayer d'avoir au moins deux salves. D'intervention. Donc, je euh, demanderai à tout le monde, aussi bien ceux qui interviennent en posant des questions, en faisant part d'un avis, et aux ceux... ceux qui seront amenés de répondre, de le faire euh, le plus synthétiquement possible, de telle sorte que tout le monde puisse avoir la parole. Alors, je vais essayer de tourner. Hein, alors, ah, je, je donne la parole à la première main que j'ai venue. Euh, je ne garantis pas de ne pas me tromper. <laughs> oui, euh, ça marche. Bonjour, euh, je me présente, euh, donc, je suis maire d'une petite commune de 2000 habitants, une commune euh, en transition qui a été labellisée Tepoz Croissance Verte, donc, qui est vraiment dans ce, cette démarche depuis plusieurs années. Euh, moi, je remercie vraiment euh, l'AMF euh, de cet atelier parce que pour des petites communes comme nous, Parfois, il faut un GPS pour se retrouver dans tous ces dispositifs. C'est très complexe, même si je dois saluer l'accompagnement quand même de l'État à travers donc, notre secrétaire général et de la DDT. Pour autant, on n'a pas forcément toujours toutes les questions, toutes les réponses au bon moment. Et pour preuve, récemment, nous avons réhabilité une salle polyvalente. Euh, dans une réhabilitation exemplaire, bâtiment passif. Et à ce moment-là, j'ai regretté que les dispositifs de l'ADEME ne financent pas euh, les bâtiments passifs, mais uniquement euh, sur euh, des économies euh, substantielles d'énergie et pas dans ce pas dans ce registre-là. Euh, actuellement, nous sommes sur des projets que vous avez évoqués ce matin de réhabilitation de deux écoles et puis d'un bâtiment. Euh, Municipal. On est sur une opération de 1,5 million pour une commune comme la nôtre, c'est énorme. Donc ce, ce projet, je l'anticipais, j'ai rencontré effectivement les services de l'État et notamment au sein de la préfecture, on m'a dit qu'il n'était pas certain que l'ADETR et le fonds vert, on puisse y abonder sur ces deux fonds parce que peut-être qu'il y aurait des arbitrages et qu'en en fait on abonderait sur un fonds mais pas sur les deux. Donc moi, ce matin, je, voilà, je me profite de votre présence pour me faire confirmer que oui, la collectivité pourra bien abonder sur les deux fonds séparément. Voilà, telle était ma question. Je vous remercie. Merci. On va prendre quelques questions. Euh, donc, euh, une, on va essayer de tourner. On va essayer de tourner, pas être dans le même euh, que dans le même quart de la place. 3 ou 4. Bonjour, ça tombe bien parce que ça sera la même réponse donc moi Dominique Lardeux adjoint à la transition énergétique d'une nouvelle commune dans le Maine-et-Loire ce grand enjeu bleu, 300 bâtiments 50 bâtiments euh, extrêmement impactés par la transition énergétique euh, beaucoup de volonté du mandat moi, mon, premier, mon premier dossier de transition énergétique concernant un groupe scolaire donc un euh, 3 millions et demi d'investis par la commune sur ce groupe là au PPI 4 à 5 écoles prévues sur le mandat, euh, sur le mandat pour la rénovation et euh, on a coché toutes les cases, hein, euh, plus de 40% d'économie, bien au-delà. On avait même été jusqu'à l'alimentation des enfants, à la production d'une énergie décarbonée pour alimenter le chauffage et l'électricité du site. Donc on espérait, on nous avait dit entre 40 et 50% de subvention. À la fin, ça finit à 21%. Il manque 1 million d'euros, au bout du compte, parce que les arbitrages, enfin j'ai un peu l'impression que le poids des élus locaux est plus important que le poids de la transition énergétique ou du réchauffement climatique. Ça a été la DETR a été sur des projets où pour moi qu'on pas de sens dans ces domaines-là. Donc quand est-ce qu'on qu va, enfin concrètement, je, je, je rebondis sur l'intervention sur de madame, c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi j'ai plein de, plein de projets en cours, mais je compte plus de subventions parce que de toute façon on n'est pas sûr de les avoir. Donc euh, on est plein de bonne volonté, on, on veut aller extrêmement loin, on réoriente nos PPI en direction de la transition énergétique, mais on n'est pas suivi par les services de l'État et par euh, globalement les. Les financeurs qui peuvent nous accompagner. Donc, quand est-ce qu'on, comment on peut re retrouver cette confiance Voilà. Merci. Oui, bonjour. Euh, Michel Yalvan, merci de Suzanne Echam. Euh, alors, je le sigle, la BF, je vais l'employer. On est classé plus beau au village de France. Donc, nous, on le vit très bien avec la BF parce qu'on a l'habitude de travailler avec eux. C'est pas le problème. Je vais renfoncer le clou. Euh, commune de 1250 habitants. Parce que vous avez parlé de beaucoup de dispositifs. On aurait un mur, serait. Non, non, on n'a pas un mur. On est vraiment confronté à... On vient de faire, nous, un webinaire régional sur la rénovation. Euh, je vous assure, c'est de la folie. Parce que là... rien que ce matin, moi, j'ai noté plein de cycles, de choses comme ça. Petite commune de 1250 habitants. Le, Le dossier prioritaire, c'est la rénovation d'écoles. Euh, 1250 habitants, on est sur un dossier à 1 million d'euros. Donc, pour nous, c'est enfin, je ne sais pas si... si vous aimez ce que c'est derrière. On a tout coché les cases. Hein. On s'est mis en commune nouvelle. On a regroupé deux établissements scolaires. On en a fermé un. Pour la rénovation énergétique. On fait un projet global, c'est-à-dire renaturation des cours d'école. Euh, on fait toute la rénovation euh, énergétique dedans. On travaille sur les économies d'eau. Enfin, on, on, on est passé par le fond vert sur la maîtrise d'œuvre. On a été accompagné au départ, mais on nous a rajouté tellement de trucs à chaque fois pour cocher les cases. Donc on y va, on coche toutes les cases, on fait tout ce qu'on nous demande hein. diagnostic amiante, euh, tout arrive derrière. Et là, maintenant, on arrive sur les choses concrètes. Et on a eu un webinaire, alors on a des informations différentes, qui est si nous, on n'arrive pas alors à 60%, le projet, on n'ira pas. Petite commune de 1250 habitants, 1 million d'euros, c'est juste impossible. Euh, on n'arrête pas d'essayer d'avoir deux questions. La première, c'est est-ce qu'on va cumuler DOTR et fonds verts On a des réunions, on nous dit oui. Et puis après, vous avez l'arbitrage au niveau de la, de la préfecture. Donc après, on vous dit ben, on ne sait pas, voire non. Donc déjà, on aimerait ça. Le taux du fond vert, si vous essayez de savoir à quel pourcentage, alors on vous dit, bah c'est en fonction de l'enveloppe. Donc, euh, alors comme nous, on a bien coché la case et qu'on a été dans le cadre du fond vert sur la maîtrise d'oeuvre, Normalement, on travaille super bien avec la préfecture et tout. C est, c est, on est aidé et merci et tous ces dispositifs, c'est formidable. Sauf que quand ils arrivent sur l'arbitrage, ils disent oui, mais vous voyez, l'enveloppe elle est consommée. Comme vous êtes 10, il y avait un millions, vous aurez que 100 000. Ah oui, mais alors nous, 100 000, on n'y va pas. On nous parle des financements. Nous ne sommes pas en capacité d'emprunter. C'est pas possible. Et alors le projet du rénov, on a rencontré en plus, on crée un projet classe patrimoine. Enfin, on y va sur un projet pédagogique en plus sur l'établissement et sur le projet du rénov, on a rencontré l'éducation nationale sur la renaturation des cours d'école. Et on leur dit, bah, écoutez, voilà, on va être sur. Euh, en plus, on a une école, on a regroupé, on a une école jeu, une cour verte avec un projet euh, permaculture. Enfin, vraiment, je crois qu'on ne peut pas causer plus de dégâts. Et quand on leur dit, bah, vous nous aidez à quelle hauteur Et là, euh, alors on est loin des 500 millions, mais je pense que c'est l'éducation nationale qui dit, bah, écoutez, si on peut vous donner 5 à 6 000 euros, euh, ce, ce sera formidable. Donc, voilà. Donc, vraiment, la question, c'est quel est le taux de pourcentage d'aide au niveau du fonds vert et peut-on cumuler fonds verts et DETR Et surtout, enfin, je ne sais pas la taille des communes qu'il y a là, mais quand vous parlez cœur de ville, petite ville de demain, nous on vient de candidater village d'avenir. On s'est regroupé à cinq communes pour essayer d'y aller. Vraiment, on veut tout cocher, toutes les cases, tout bien. Mais si sur un dossier un million d'euros, vous nous dites on va vous aider à 20%, c'est fini, on ne fera pas. Merci. Une quatrième intervention, même si pour le moment, en gros, il n'y en a eu qu'une, parce qu'elles tournent tous. Et c'est, je crois, assez normal sur le même sujet. Bonjour. Euh, je vais ouvrir un petit peu. Euh, ça ne sera pas exactement la même question. Je travaille pour une association qui s'appelle La Belle Vie, qui accompagne les crèches, essentiellement, dans leur transition écologique et sociale. Et on a constaté, depuis de nombreuses années, euh, pour les crèches qui rentrent dans notre des marches écologiques, des baisses d'eau et d'électricité de l'ordre de 25%. Et je voulais d'abord faire un partage d'expérience et après vous poser une question. Partage d'expérience, on en a parlé très rapidement ce matin avec vous, M. Perrin. Il y a effectivement des investissements très importants dans la partie bâtiment qui accompagnent ces baisses d'économie d'électricité et d'eau, notamment dans la, tout ce qui est végétalisation des cours de crèche. Mais c'est très important aussi d'insister sur la formation des équipes, la sensibilisation sur tous les éco-gestes. Et notamment dans les crèches, il y a beaucoup, c'est très énergivore, notamment sur la consommation des machines. Voilà, donc j'insiste beaucoup sur le côté formation, sensibilisation et embarquement de toutes vos équipes euh, techniques qui sont sur le terrain pour euh, participer à ces baisses qui sont euh, majeures et nécessaires pour tous. Et ma question est. Pour vous, on a beaucoup parlé de rénovation des écoles. Il y en a 44 000 en France. Il y a aussi beaucoup de lieux de vie petite enfance, 14 000 dont la moitié qui sont gérés par des collectivités. Quels sont les fonds qui peuvent être débloqués Est-ce que le fonds vert peut aussi s'adapter à ces lieux de vie collectifs Voilà, merci. Merci. Je ne vais pas résumer les questions, vous allez essayer d'y répondre. Je pense, enfin, la question de la transparence. Dans la façon, notamment le fond vert peut être attribué, est une question importante. Et puis ensuite, il y a euh, la somme qu'on reçoit quand on fait un dossier. Alors j'ai entendu tous les collègues effectivement, on ne sait pas comment, quand ça va tomber, sous quelle forme que ça va ça va tomber. Vous évoquez la coordination. Des fois, quand on est amené à faire deux dossiers, ça n'arrive pas au même moment. Donc, c'est embêtant parce que, est-ce qu'on y va Vous l'avez dit tout à l'heure, si on n'a pas la somme suffisante, bon, on ne fait pas le projet. Donc, comment on le commence Voilà. Je crois, quelques questions, plus la question spécifique sur est-ce qu'il faut l'étendre à, à d'autres bâtiments. Alors, je vais, je vais essayer de répondre au meilleur de mes capacités aux questions. Et je vous remercie pour ces, ces témoignages qui, de toute façon, sont utiles et sont importants. Donc... Voilà, je, alors premièrement par rapport à la question du cumul entre euh, la DETR et le fonds vert euh, il n'y a pas de règle interdisant le cumul et il y a même un message passé au préfet leur indiquant que le cumul est possible ensuite chaque dispositif a effectivement un calendrier qui aujourd'hui lui est propre et effectivement des critères qui lui sont propres et dans certaines régions et dans certains départements le préfet ont pu, par exemple, les préfets ont pu définir des sortes de règles du type pour le fonds vert, on va systématiquement donner une subvention dans telle fourchette de taux, mais effectivement, cette règle, ce sont des règles plutôt locales, elles n'ont pas été généralisées. Et donc on a des situations dans lesquelles les préfets vont plutôt aller puiser dans une enveloppe et ne pas aller puiser dans l'autre, selon la nature des projets, et il y a des départements dans lesquels effectivement du cumul va être possible. Donc effectivement, il y a un choix qui est fait par le préfet sur la manière d'attribuer euh, des ETR et fonds verts, mais en tout cas, je vous confirme qu'il n'y a absolument rien qui n'empêche à un projet de toucher des subventions des deux enveloppes, si c'est approprié et si c'est effectivement ce que le préfet a décidé. Euh, je suis conscient en disant cela que je ne voilà, réponds pas nécessairement à, à vos attentes, mais j'essaie de vous donner une explication au meilleur de mes capacités, hein, bien entendu. Euh, deuxième point sur la, le taux de financement du fonds vert. Donc, la manière dont le fonds vert fonctionne, c'est qu'il n'y a effectivement pas d'appel à projet. Il y a effectivement une subvention qui est disponible au fil de l'eau. Et donc pour cela, euh, le fonds vert, en fait, l'argent la, national qui est évoqué, les 2,5 milliards qu a, que j'ai mentionné sont en fait répartis sur les territoires avec des clés de répartition propres à chacune des différentes mesures. Et effectivement, dans chaque département, le préfet dispose donc d'une enveloppe. Et donc, c'est effectivement lui qui détermine euh, le taux qu'il peut euh, attribuer selon les projets qu'il qu reçoit. Donc ce qui peut conduire effectivement euh, à des taux moyens euh, qui sont peut-être. Alors, j'ai pas de chiffre en tête, mais euh, le chiffre de 20 par exemple, sont des taux effectivement qu'on constate assez régulièrement. Il y a des projets qui peuvent être financés nettement à des taux nettement supérieurs. On en a vu également passer. Euh, mais il n'y a pas effectivement de règle. Euh, défini, il n'y a pas de règle nationale sur le taux de, de subventionnement associé au fonds vert euh, un autre point qui a été euh, évoqué euh, il n'y a pas de critère de 60% de gain énergétique euh, le taux d'éligibilité du fonds vert est donc de 40% euh, il y a en revanche effectivement un message qui est passé au service instructeur euh, qui est effectivement de prioriser euh, pour l'octroi du fonds vert les projets qui sont les plus vertueux euh, Et ensuite, il n'y a pas de règle supplémentaire qui a été passée auprès des services instructeurs. Euh, pour ce qui est euh, de euh, la renaturation des cours d'école, euh, donc, ça c'est un projet qui est en cours dans le fond vert également. Il y a une mesure renaturation. Euh, qui, probablement, telle qu'elle a été formulée jusqu'à présent, s'adresse quand même à des grands projets euh, de type renaturer euh, des kilomètres de, de, de bordures de voirie ou, ou, ou des zones, effectivement, plutôt de grande surface. Euh, nous sommes en train de travailler. Malheureusement, je ne peux pas vous faire d'annonce formelle, mais nous sommes en train de travailler, effectivement, à pouvoir décliner cette, cette mesure euh, à, un, à une échelle plus petite pour qu'elle puisse également, pour que ces projets puissent également financer par exemple des renaturations de cours d'école ou des renaturations plus locales auprès de bâtiments de collectivités locales. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours et on espère pouvoir être prêts pour 2024. On espère pouvoir vous faire une annonce plus formelle un peu plus tard sur ce sujet et pouvoir vous annoncer effectivement que typiquement, lors d'un projet d'une école, on puisse à la fois faire un projet de rénovation énergétique, faire un projet de renaturation et que les enveloppes associées puissent effectivement être, être faire l'objet effectivement d'une analyse de subvention. Euh, il y avait ensuite une autre question euh, sur le, les crèches. Donc le fonds vert finance, euh, c'est une mesure qui s'intitule « Rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales » Donc, dès lors que l'on est sur un bâtiment de collectivité territoriale, euh, le fonds vert peut être utilisé pour la rénovation euh, correspondante du bâti. Euh, voilà pour la réponse qu effectivement, que, que, que je peux vous donner. Donc un certain nombre de crèches répondent à ces, ces critères-là, effectivement pas toutes. Euh, et euh, dernier point, mais je n'ai évidemment pas de réponse, pour ce qui est des subventions d'éducation nationale, bon, alors, ce n'est pas mon ministère, euh, de, pour ce qui me concerne, je pense effectivement probablement que le Fonds vert a un peu plus d'argent et un peu plus, de, un peu plus doté euh, que l'éducation nationale. En revanche, ils ont effectivement des services qui sont là pour euh, le cas échéant ponctuellement pouvoir donner également quelques conseils. Je ne l'ai pas mentionné, donc je souhaitais effectivement le rappeler à l'occasion de cette question. Les questions s'adressaient essentiellement à l'État. Juste peut-être une précision, parce que je représentais l'AMF au comité d'animation de la rénovation des bâtiments scolaires. Nous ont été annoncé deux choses. La première, il nous a été dit clairement. Pas tout à fait ce que vous confirmez, que les cours d'école végétalisés pouvaient rentrer dans le front vert. Ça a été annoncé par le ministre dans son intervention. En fait, c'est déjà le cas, mais on est en train d'essayer de simplifier voilà. la mesure pour que ça soit plus facile de mobiliser. Mais c'est effectivement déjà le cas, donc y a pas de... vous pouvez déjà le faire. Mais on risque de vous poser beaucoup de questions, ça risque d'être compliqué, et on est en train d'essayer de simplifier la mesure pour que ça soit plus simple pour les cours d'école. Voilà. Et puis, nous a été annoncé une deuxième chose, c'est qu'on nous solliciterait, mais la décision de savoir quelle école serait éligible et devrait être rénovée, serait prise par le binôme entre... Le préfet et la DAZEN. Et je vous avoue que ça ne nous satisfait pas complètement parce qu'on a quand même l'impression que celles et ceux qui connaissent mieux leur territoire et qui savent quelles sont les écoles qui doivent être prioritaires, bien entendu, l'éducation nationale a son mot à dire, bien entendu, ça fait partie des composantes, mais les, les maires, les élus, ils connaissent aussi la globalité du problème et il n'y a pas que cette question-là qui doit être peste. Donc je vous avoue que ça, ça a beaucoup énervé l'ensemble. Des élus. Alors, je, je préfère d'ores et déjà je clarifier ce point parce que je pense qu'il y a eu une, une incompréhension. Je, je, pour rien vous cacher, j'avais préparé effectivement cette question, même si je, je, je me doutais qu'elle arriverait parce que <laughs> ce, ce point nous a été remonté et on a été surpris des réactions. Donc, je, je vais le clarifier dès maintenant. Euh, les DAZEN ne choisissent pas les écoles à rénover. Euh, ce qui a, qu a été annoncé, et la chose suivante, c'est que pour ce qui est de manière très particulière du Fonds d'innovation pédagogique de l'éducation nationale, qui est une enveloppe dédiée effectivement à l'innovation pédagogique et donc qui n'a pas de lien avec la rénovation du bâti scolaire, mais qui peut, pourquoi pas, dans un certain nombre de cas, intervenir dans des projets concomitants, pour le Fonds d'innovation pédagogique, le DAZEN aurait son mot à dire. Mais c'est tout. Donc je vous confirme ici que le DAZEN n'intervient pas dans euh, la l'attribution euh, des fonds, et en particulier le DASEN n'intervient pas dans l'attribution du fonds vert ou de la DETR Je ne sais pas ça, je ne vais pas je voilà. J'ai jamais dit que le DAZEN interviendrait dans l'attribution des fonds, j'ai dit que c'est lui qui, avec le préfet, mais j'entends en, avec attention ce que vous dites. Peut-être faudrait que vous demandiez au service, au service de l'État de modifier la brochure qui a été distribuée à toutes les communes, dans laquelle c'est clairement écrit que c'est préfet et dazen qui prendront la décision. Mais j'entends avec beaucoup de plaisir votre, euh, votre commentaire. Et peut-être encore Robert, une oui, ou deux oui, oui. questions, puis après on sera obligé de libérer la salle. Donc... Bon. Oui. Bonjour messieurs, dames, euh, Nathalie Savaton, je suis maire d'une petite commune de 3300 habitants. Euh, en Touraine et je fais la note commune fait partie aussi de Tour Métropole Val de Loire. Euh, J'entends toutes les difficultés qui sont relatées par l'ensemble de, des collègues, euh, mais n'y a-t-il pas aussi euh, une difficulté en amont au niveau de l'État quant à l'identification réelle des fonds, puisque on nous parle de CRTE dès 2021 avec un CRTE en fait qui est euh, réalisé grâce à à la DETR et DSIL pour cibler la dépense vers l'énergie. Donc en fait il n'y avait pas initialement de crédit supplémentaire mais un fléchage des dépenses de DETR, DSIL et ce fléchage a été abondé quelque peu au fil des années mais en réalité les préfectures se retrouvent dans une difficulté d'attribution puisqu'ils n'ont plus les sommes de DETR, DSIL qui existaient préalablement pour accompagner aussi les mêmes communes sur d'autres projets qui peuvent être aussi nécessaires et importants dans le cadre de l'évolution de nos communes, des services auprès de nos populations, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas effectivement un petit décrochage euh, existant qui remonterait, dont l'origine serait un petit peu là et qui ferait qu'aujourd'hui, les, les, les services de l'État dans nos différents secteurs ne sont pas en capacité de répondre aux fortes demandes, puisque en réalité, les crédits n'ont pas tant augmenté que ça, même s'ils sont abondis. Je propose une dernière intervention. Il y a une main, puis après, je vous redonnerai la parole et puis on devra arrêter là. Oui, bonjour, Jean-Pierre Thur, donc euh, le maire d'une commune de la Mayenne, commune de 4500 habitants. On parle de, de rénovation et de beaucoup d'aide pour les rénovations. Qu'en est-il des constructions Des reconstructions d'écoles, lorsque les écoles, on ne peut vraiment plus rien faire pour elles. Une école notamment de, de 40, 45 ans, qui est une vraie passoire énergétique. Euh, et euh, en accord avec le, le CEP, ben voilà, il n'y a, a plus rien à faire, il faut démolir et reconstruire. Quel est le niveau d'aide Est-ce que Edou Renov soutient les, les constructions Parce que là on s'engage, là on coche toutes les croix, très clairement, avec des matériaux biosourcés, du photovoltaïque, avec de la renaturation de, de cours d'école, avec de, de la paille en termes de... Enfin pour l'isolation des murs. Enfin voilà, tout est fait pour, pour une école qui va durer 40-45 ans. Donc là on s'engage pour voilà, deux ou trois générations à venir. Voilà, quels sont les, les soutiens apportés par, par l'État pour ces reconstructions Merci. Bien, je vous donner la parole. On devra arrêter après. Je pense qu'il y aura encore de quoi discuter très longtemps. Et ce qu'on vous propose, c'est que dans les prochaines semaines, une fois que le service de l'AMF auront digéré le Congrès, c'est d'organiser un webinaire spécifique sur les questions qu'on a abordées ce matin, et en particulier le fond vert, sa transparence, mais d'autres questions. Donc voilà, on organisera ça de... Soit avant la fin de l'année, soit après, après la trêve des confiseurs, comme on dit, mais ça permet, là, en plus, d'avoir que vous puissiez poser des questions par avance. Il y a des spécialistes qui participent à nos webinaires en temps normal. Donc voilà. Je vous, je vous laisse. Euh... Alors, peut-être sur la première question, euh, je n'ai pas, pas de chiffres avec moi, mais euh, peut-être le sentiment que vous avez que vous exposez, découle du fait qu'effectivement en 2020-2021, a eu, a eu il y a eu en fait une décile dédiée à la rénovation thermique qui s'inscrivait en fait dans le cadre du plan de relance. Et donc, effectivement, quand on cumulait les sommes, on tombait sur une somme relativement importante, mais le fonds vert a largement pris le relais euh, de ces dotations. Donc, je ne, sauf si je n'ai pas compris la question, on peut s'en parler, on peut en, parler en, en, en privé, mais euh, je n'ai pas le sentiment au contraire d'une baisse des dotations de l'État quand on cumule des cils des ETR, enfin quand on occupe les différentes dispositions existantes et qu'on y ajoute effectivement le, le fond vert. Euh, pour ce qui est de la deuxième question, donc l'arbitrage qui a été pris sur le fond vert, effectivement, c'est une mesure rénovation et donc pour ce qui est du fond vert, euh, en l'état actuel des discussions, il n'est pas mobilisable euh, pour des projets de construction neuve, quand bien même ces projets seraient extrêmement vertueux. et donc pour cela, effectivement, le, le le préfet dispose des autres dotations qu'il peut mobiliser s'il le souhaite euh, et selon les, les, les projets qui peuvent être euh, proposés. Mais effectivement, le choix qui a été fait, c'est un, un, un choix focalisé euh, sur, la, sur la rénovation du bâti. Sur la partie construction neuve, d'un point de vue euh, financement, notamment en termes de prêts, on est sur des dispositifs qui sont légèrement différents, donc avec des taux aussi qui sont légèrement différents. Donc ça, c'est pour l'investissement. Après, sur les dispositifs d'aide, je pense que ça se regarde au cas par cas, parce qu'effectivement, lorsqu'on est sur un bâtiment qui est vraiment en fin de vie obsolète qu'on en profite pour faire une école neuve à côté la logique reste quand même la même donc sur les dispositifs d'aide d'ingénierie d'émulation à la réflexion sur les écoles modernes ces dispositifs là restent accessibles mais du coup c'est pas sur l'investissement pur c'est plutôt sur la facilitation l'ingénierie et la réflexion un, un mot de complément euh, sur notre sujet. Les ABF, je suis très preneur des expériences positives que certains d'entre vous avaient. Elles existent, j'en suis persuadé. Et on a besoin des bons exemples à, à partager. Et le deuxième mot, l'illustration de ce débat-là, parce qu'effectivement, vous l'avez compris, acté, on est sur l'aide à l'ingénierie, l'aide au départ, l'aide au commencement, mieux comprendre les aides travaux, et après, on laisse la main à l'État, à nos collègues de la Banque des territoires, etc. C'est euh, vraiment l'appel auprès des associations de collectivités qu'on qu est aujourd'hui. On sert à ça aussi, à relayer auprès de l'État, à vraiment, de temps en temps, essayer de changer les critères quand on se rend compte que c'est un peu à côté de la plaque quand ce qui est imaginé à Paris percole dans les territoires, ce qui est des choses très brillantes imaginées à Paris qui ne peuvent pas fonctionner au territoire ou qui sont interprétées différemment aussi au niveau des territoires. Donc n'hésitez pas à nous à nous saisir avec nos collègues de, de l'AMF au niveau des différents présidents, des services évidemment aussi. Et pareil, côté FNCSR, on, on appuiera avec nos élus, ça va de soi. Bien écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Il nous reste 7 minutes pour évacuer la salle puisque le débat suivant commence à 11h précise. Merci à toutes.